clé. Alors, mon petit frère, voilà, j'ai tenu à ce qu'on prenne ce petit verre ensemble. Hein. J'ai tenu à ce qu'on prenne ce petit verre. Merci bien, c'est une très grande attention venant de toi. Ah oui, c'est la nouvelle année. La grandeur t'honore. Ah oui, c'est bien. Et là, j'ai tenu à ce que tu viennes là aujourd'hui. J'ai aussi fait appel à notre petite sœur, Françoise. Qui va arriver, qui est en chemin, elle m'a fait savoir qu'elle est en chemin déjà. Françoise arrive. Elle arrive. Ah ok, super, super. Tu sais, c'est un début d'année et il faudrait qu'on s'asseye tous. Et puis, je me fais beaucoup de soucis pour elle. Ah, voilà. On parle du chien, on voit sa queue. Là, voilà. Franck. Voilà, ma petite soeur. Comment vas-tu? Je vais bien. Comme tu peux le constater, je vais bien. Physiquement, je vais bien. Ma petite soeur. Ça va. Ça va. Ok, tu prends place. C'est toi là. Alors, ça a été? Bah oui, ça a été. Et vous? Ah, ça va, ça va. La famille se porte bien. On est en train de savourer du bon vin là. Tu prends quand même un verre, non? Même si habituellement tu n'en prends pas. C'est pas ça qui m'a amené ici. Non, mais c'est pas ça qui t'a amené ici. C'est moi qui t'ai dit de venir. Bien évidemment, parce que je voudrais qu'on ait quand même un petit briefing par rapport à l'année qui s'est écoulée et la nouvelle année qui s'est levée. Parce que je sais quand même qu'il y a eu beaucoup de petits pots cassés entre nous. Nous déjà qui n'étions pas fiers du fait que tu ailles rester avec ton homme comme tu l'as fait lui déjà. Il m'a vraiment dit qu'il n'a pas apprécié cela et moi-même de mon côté aussi. Parce qu'on ne comprend toujours pas comment toi tu réalises partir comme ça en mariage. Tu ne trouves pas que c'est une honte? C'est pas une honte? Comment tu peux partir comme ça en mariage? On s'est toujours dit, ton homme, s'il doit te respecter, il faudrait qu'il vienne nous voir. Je suis le chef de la famille, ton grand frère Chris, il est là, il vient, il nous voit, et puis ensemble, on essaye de tabler et te laisser partir. Est-ce qu'on va t'épouser? On ne va pas t'épouser. Mais la manière que toi, tu t'en vas là, tu t'en vas rester avec un homme, il va te respecter comment? On ne défend pas ce qu'on ne mange pas. Voilà. Si je suis allée vivre avec lui, c'est parce que je l'aime et il va venir vous voir. En fait, à ce que je sache, je suis arrivée ici pour vous parler de quelque chose. Nous parler de quoi? Moi, je suis ici pour les biens que papa a laissés. Attends. Pardon? Tu sais, depuis que papa est mort, on n'avait plus de nouvelles entre nous. Donc, je suis arrivé là pour qu'on puisse un peu en parler. Attends. Stop. Tu es venu prendre de nos nouvelles ou tu es venu prendre les biens que papa a laissés? Exprime-toi bien, je ne comprends pas. Tu peux me parler pour les biens que papa a laissés? Tu es venu demander les biens que papa a laissés? Attendez un peu. C'est à toi qu'il a laissé. Oh là là. Tu l'as vu mourir? Oui, je suis ici pour les biens que papa a laissés. À ce que je sache, je suis votre petite soeur. Et depuis son décès, vous m'avez pas fait appel pour qu'on puisse s'asseoir et causer concernant les liens. Attends un peu, ma petite sœur. Mais là, tu sautes du coq à l'âne carrément. Parce que moi, je ne te comprends pas. On n'a pas eu à te faire signe pour qu'on puisse parler de ces biens-là. D'accord, c'est ton droit le plus absolu. Mais est-ce que tu penses que c'est le moment? Toi, Attends. Hein? Droit de quoi? Non, quand tu parles de droit absolu, quel droit absolu? Non, mais le droit quand absolu. Quand elle a décidé d'aller en mariage. Parti, c'est parti. Est-ce que aller en mariage, donc vous, mes frères, vous allez m'abandonner parce que je suis allée en mariage? Non. Tu as demandé à qui? Tu as dit à qui que tu vas aller en mariage? Mon petit frère Chris. Tu as même su que tu es son enfant? Non, arrête ça. Faut pas frustrer. J'ai dit, hein? Non, attends. Il faut souvent limiter votre... Pourquoi vous choisissez seulement la fin d'année pour faire votre sorcellerie? C'est la fin d'année que les sorciers choisissent souvent pour venir montrer à quel point ils sont puissants. Mon petit frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as la mort frère, au corps? Mon petit frère, non. Ne parle pas de mort, pas pour tout le respect que tu me dois. Écoute, souffre de m'écouter. Pour tout le respect que tu me dois, je pense que, écoute, je pense qu'elle est partie poliment. Comme je l'ai appelée, elle s'est dit, ok, elle va profiter de l'occasion pour parler de la situation. Concernant les biens que papa a laissés, étant donné que c'est notre petite sœur, c'est de bonne guerre.
qu'elle puisse en parler. C'est la fille, c'est notre seule petite sœur. Donc je t'interdis de pouvoir lui dire, de parler de mon rôle, demander si elle est sûre qu'elle est l'enfant de papa. Ce n'est pas bon, mon petit frère. Si elle a demandé à savoir tout cela, je t'avais dit, tu m'avais parlé de cette histoire à un moment donné, et je t'ai dit, ma petite sœur, bien évidemment, papa a laissé les biens. Je suis l'administrateur de ces biens. Ce sont nos biens. Mais maintenant, je ne sais pas toi-même, quand tu viens revendiquer les biens que tu revendiques là, c'est pour prendre ça et aller avec ça où? Pour aller dans ton concubinage. Pour aller entretenir son bamileke. Sans tribalisme, sans être tribaliste. Vraiment pas. Pour aller entretenir son homme, tu veux dire. C'est son homme, les bamileke sont des hommes comme nous. Mais est-ce que son ami n'est pas bamileke? Non, mais il est bamileke, mais à t'entendre parler, ça fait comme si les bamileke étaient des sous-hommes. Non. Ton homme est bamileke. Hein? Il est bamileke, mais. Hein? Il est bamileke, mais est-ce que ce n'est pas un homme? Quand tu t'as façon de le dire, il n'y a pas de souci. Il est bamileke, je suis petit. Bamileke, comment Bétis, comment là, le patrimoine personnes. Des bêtises se retrouve chez les bamileke? Non, si c'est son mari a droit quoi? De jouir des biens de son beau-père. Attends, non, je te le dis, écoute-moi, souffre de m'écouter. Je suis en train de dire. Dans la sorcellerie, je dis, ton homme, il fait quoi? J'ai appris, il a fait tant de choses. L'héritage que le père de ton homme a laissé est où? C'est parti où? Tu veux ouvrir un salon de coiffure? Je ne veux pas me baser sur l'héritage que mon homme a laissé tant que j'ai les frères qui vivent. C'est vrai, papa et moi, mais j'ai les frères qui vivent, j'ai les grands frères. Oui, nous sommes là, nous vivons, d'accord. Mais j'ai dit, je t'ai posé une question. Tu veux prendre ce qui te revient et aller avec dans ton concubinage? Parce qu'officiellement, officiellement, personne ne connaît ton nom. Est-ce que tu ne penses pas que ce n'est pas ce n'est pas bien fait de venir revendiquer ces biens-là pour les prendre et amener ça? Frère, grand frère, on parle de quoi là? On parle de tu veux m'appeler pour boire le vin? Ou bien pour discuter. Non, non. J'ai appelé pour qu'on fasse. C'est bien. Vous m'avez vu. Non. On tu étais où? Qui t'a chassé? Personne. C'est vrai. Personne. On t'a envoyé où? Tu viens demander. Vous m'avez vu. Qui t'a chassé? Écoutez. Voilà. Permets-moi, s'il te plaît. Écoute, mon qui t'a chassé? Tu vas souffrir. Tu vas souffrir un peu. Je répète. Tu n'as rien. Babou, zéro. Je dis ceci. Si tu peux bien. Souffrir de m'écouter, je dis, bien. Écoute bien, écoute. Calme. C'est ce qu'on écoute, verra. Écoute, je suis en train de dire, écoutez un peu, écoutez-moi. D'accord. C'est ce qu'on verra, écoutez-moi. Ou je suis votre petite sœur ou pas. Tu es notre petite sœur, et moi j'ai dit, tu n'as pas voulu répondre à ma question. J'ai dit, tu n'as mérites, rien. Écoute mon petit, arrête ça. Elle mérite autant d'avoir quelque chose comme nous le méritons. Mais je dis une chose, tu vas prendre ces biens-là et aller avec où? Je vais m'en servir, je vais ouvrir un salon de coiffure. C'est ouvrir un salon de coiffure étant en concubinage? Tu attends quoi pour dire à ton homme de venir voir ta famille et te prendre officiellement? J'ai dit, hein, tu attends quoi? Avec tout l'école que tu as fait la série, c'est la camp. Et hein? J'entendais souvent. C'est la coiffure que tu as mieux faire. Tu n'as plus l'art de faire les concours. C'est la coiffure que j'ai préféré faire, grand frère. C'est la coiffure que tu veux faire. Oui. Bref, il n'y a pas de saut métier. Si tu as décidé de faire dans la coiffure. Tu as quand même d'abord déjà coiffé qui? Moi, j'étais vu grandir. Tu as coiffé qui dans ta vie? Mon petit frère, je pense que je suis votre aîné ici. Et nous sommes là. Excuse-moi, c'est que ça m'énerve. Oui, ça t'énerve. Je sais que ça nous énerve tous. La manière dont elle est partie. Elle est partie où elle est partie. Regarde même comment tu es toute maigrichonne là. C'est vrai. Vous mangez quoi là-bas? C'est quoi? C'est le plantain pilé. Quelle nourriture? Le vrac. Alors, toi, tu penses que... Il te donne le tapioca à longueur de journée. C'est ça que tu appelles nourriture? Mon petit frère, nous ne sommes pas là pour gâter. Nous ne sommes pas là pour gâter. Je sais que tu es très remonté contre Françoise. Tu n'as pas venu discuter. Tu as venu faire quoi, donc? Tu comprends un peu. Mais je dis une chose, Françoise. Tu as besoin des biens. Les biens qui te reviennent, n'est-ce pas? Qui te reviennent. Parce que papa est décédé, il nous a légué des biens et tu as ta part de biens. Maintenant donc, je vais commencer un peu par le terrain parce qu'on avait eu cette discussion-là une fois. Il y a 12 hectares de terrain. Selon toi, comme il y a 12 hectares de terrain, tu mérites d'avoir quelle superficie? Non, enfin, déjà là, moi je ne vais pas... C'est vous qui alliez me dire ce que vous pouvez me donner. Et tout ce que vous allez me donner, je vais prendre. Peu importe. Ça voudrait dire que toi de ton côté...
Même si nous ne prenons plus que toi, tu n'as pas de soucis. J'ai pas de soucis. Chacun mérite 4 hectares de terrain. Mais au lieu de te donner, de t'octroyer donc 4 hectares de terrain, je pense véritablement qu'on peut se retrouver en train de te donner, de lui donner un hectare de terrain. Quel hectare? Un hectare. Quel hectare? Elle a fait quoi? Elle a fait quoi comment? C'est la fille de notre papa. Quand je discutais ce terrain avec Zambo, d'où j'ai pris des coups, j'ai des cicatrices, j'ai des séquelles sur moi de ce terrain. Elle était où? Avant de faire un choix, je vivais avec vous. Vous êtes. Tu as choisi. J'ai fait quoi? Qu'est-ce que je la fais? Vie est un choix. Alors... Tu décides d'aller vivre avec un vanipier pour que moi, Chris, voilà. Non, non, mon petit frère. Je prends soin sais, de ton nom. Tu sais, écoute. De façon réfléchie, de façon rationnelle, je pense qu'elle a autant les mêmes droits que nous. Qui a dit ça? Dans cette... Écoute bien, je le dis, je suis le chef de cette famille qui est restée. Je dis, elle a autant les mêmes droits que nous. Mais maintenant, comme on le dit si bien, elle est en concubinage. S'il faille qu'on préserve ce qu'il y a à elle, on peut prendre même un hectare de terrain et lui donner non. Pour le moment. Oui, un hectare de terrain, ce qu'elle a fait. Grand frère. Écoute-moi bien. Non. Donc, selon toi, tu penses qu'elle ne mérite rien? Tu trouves qu'elle ne mérite rien? Un hectare. Mais un hectare. Elle a travaillé quoi, comment? Quand on bornait ça. Oui. Quand on se bagarrait avec la famille de Zambo, que tu connais là. Oui, oui. Elle était où? Non, mais elle était où? C'était encore une petite fille. Voilà. J'ai les cicatrices là sur moi. Il n'y a pas de souci. Même nos parents ont bagarré pour nous. Ils ont pu faire des guerres pour qu'on soit aujourd'hui, qu'on vive en toute tranquillité. Par amour pour toi. Hein? Et par respect pour notre défunt père. Oui. Ce que je trouve qu'on peut te donner au maximum. Oui. Sauf plus de... à 3000 mètres carrés. Oh non. Pas non, plus, non, pas non, moins. Non, si non, vous voulez ajouter, non, je ne suis pas. Non, là. Non, mon petit frère. Là, je t'arrête. Net. Je vous dis. Je, non, je t'arrête. Je net. Te le dis. Non, mon petit. Tu ne peux pas prendre des résolutions. Je suis assis, je suis ton grand frère. Je suis le chef de cette famille. Dit. Je non, dis, frère, ensemble. Quand la machette voilà. Entrait dans mon corps. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ce que tu m'as fait. Oui. Tu es parti où? Oh là là. Tu là, là, là. Tu vis où? Attends. Depuis combien d'années tu ne m'appelles pas? Quand ça, tu venais même ici, tu m'appelais. Est-ce que le fait, je vais te poser une question, tu penses que le fait pour elle d'avoir décidé d'aller vivre son amour... Ça interdit qu'elle appelle son frère. Attends. L'amour non, interdit qu'on appelle son je frère. Je comprends parfaitement ce que tu dis. L'amour interdit, tu es venu chez moi et tu ne m'as pas permis de chuter. Je chute en disant ceci. Bon, toi, tu est-ce que tu penses que, écoute, tu penses que parce qu'elle est allée vivre avec un homme, elle ne mérite pas d'hériter aussi des biens de son père? Elle nous a tourné le dos. Elle nous a tourné elle le dos, mais maintenant, donc, c'est le l'occasion dos. De parce pouvoir que dire qu'elle a mal agi. Je c'est lui pour ai ça que dit, je demande qu'elle vienne parce que officiellement je lui avais fait avec son ce reproche-là, que sa conduite n'était pas bien. Il faut que tu viennes officiellement elle avec ton nom. Elle n'était pas homologuée. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Viens officiellement et avec ton nom. Et tant que... Ce n'est pas normal que tu vives elle où tu ne vis là. Fonctionne on n'est pas pas fiers. Nous ne sommes pas fiers. Conventionnel. Je comprends ça. Pas d'accord avec elle. Nous ne sommes pas fiers. Donc fais un effort de pouvoir faire venir ton homme ici, qu'il vienne te prendre de façon officielle. Parce que s'il te prend comme il te prend là, il ne va ni nous respecter, ni te respecter. Demain, il va te poser une question. Comment? Tu vis chez moi ici. Est-ce que je suis venu te chercher chez vous? Hein? Comment? Ce n'est pas bon. Est-ce mais que maintenant, tu lui as dit? Concernant l'héritage, tu as ta part, tu auras ta part. Attends, compte attends, sur attends. Moi. Est-ce que tu lui as dit que moi, Chris là, je t'ai mis les couches. Tu lui as dit, je suis ton père. En fait, ma petite sœur, tu le lui as dit. On est là, on n'est pas en train de boire de l'eau, d'accord? On boit aussi du vin. Donc, ton grand frère, il a dû prendre déjà un verre de plus. Ton homme m'a dit, non. Non, faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça, je ne sais pas le vin. C'est pas une histoire de vin, s'il vous plaît. Ton homme m'a dit appelé. Non, grand frère. Depuis que vous êtes ensemble, il m'a dit appelé. Maintenant, il t'a voir revendiqué. Il t'envoie faire quoi? Il a laissé quoi ici? En tant que qui? Oh là, oh là. Grand frère, il ne m'a pas envoyé revendiqué. À quoi le soubien pour le ramener? Il ne m'a pas envoyé revendiqué. Déjà, pour cela, je vois combien tu es vraiment énervé. Grand frère, je sais que tu n'es vraiment pas fier. Tu es très mécontent. Mais pour cela, tout ce que je vais te demander là, ce sont les excuses.
Voilà. Que tu me pardonnes sincèrement. Et je te demande sincèrement les excuses pour ce geste-là. Voilà, voilà, voilà. Je te demande sincèrement les excuses. Ta petite sœur reconnaît son tort. Et je te promets que ça va plus se répéter. Voilà. Christ me libère. Ta petite sœur. Me pardonnes-tu? Devant notre grand frère, je demande sincèrement les excuses et j'aimerais que tu puisses me pardonner. Sincèrement. Pour que je te pardonne, je veux voir ton nom devant moi prochainement. Je t'accepte comme tel. Ton nom et toi, vous devez venir me voir. C'est compris? Pas nous. Moi, personnellement. Voilà. Tu as compris? Ça voudrait dire que ton grand frère, tout ce qu'il veut, c'est ton bien. Que l'homme que tu aimes et qui prétend t'aimer là, qu'il puisse se lever et aller et venir nous voir. Mais maintenant donc, vous irez d'abord le voir. Une fois vous serez allé vers lui, vous allez revenir. On va donc encore traiter du sujet de ses biens. Parce que comme je le disais si bien, tu es notre petite sœur. Tu comprends un peu? Voilà. Donc maintenant que vous avez fait la paix, moi je suis très très fier. Hein. Donc sincèrement, je te promets sincèrement de faire tout ce dont tu as besoin, juste pour me faire pardonner. Allez donc d'abord le chercher à le voir, et puis ensemble tout ça. Je dois voir qui est ton homme. Ce n'est pas normal que tu partes ainsi, ok? Et que tu ressurgisses. Si c'est quelqu'un de bien, si je suis aussi dur avec toi, je n'ai pas de haine contre toi. Tu es ma petite sœur chérie. Tu es un peu comme ma fille, ma première fille. Je n'ai pas d'intérêt à te haïr. Voilà. Ça ne me rend pas service du tout. Et puis, les biens que papa nous a laissés là, tu sais que je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Tu comprends bien ce qu'il dit. Je comprends. Il est en train de dire que s'il refuse que tu aies quoi que ce soit dans ces biens-là actuellement, je connais c'est la parce loi. Que tu te retrouves où tu te retrouves. Je connais la loi de mon pays. Et il ne voudrait pas qu'un imbécile, un salopard qui n'a rien travaillé. Je sais, le président de la République lui-même l'a décrété. Voilà. Il a signé ce décret-là. Il faudrait que tu penses à ça. Il faut donc faire venir ton homme. La femme a le même droit que l'homme. Donc tu viens le rencontrer et après ça, donc ensemble, nous allons nous rasseoir bon, et en parler. Maintenant, étant donné que nous sommes les deux principaux ayant droit du patrimoine de notre vieux père, parce que tu étais encore mineur, lorsque ce testament a été écrit, j'ai dit, je ne refuse pas avant que tu aies ta part qui te revient de droit. Il faut que je sache que ça sera géré à bon escient. Oui. Oui. Tu comprends? Je comprends. Voilà. Donc maintenant, tu peux... Moi, je te promets, je ferai tout ce dont tu as demandé. Promis? Voilà. Promis. Promis? Voilà, tu prends donc, tu peux servir, tu peux te servir. Voilà, tu peux lui servir un peu de vin et toi-même tu prends aussi. Oui, toi-même tu peux. Hein. Voilà. Voilà, tu lui sers. Quelque chose. Et puis, voilà. Et puis tu me sers aussi un verre. Hein. Vas-y, vas-y, mère. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, merci. Voilà, super. Ok, tchin tchin. Tchin tchin, tchin tchin. Voilà. On n'a pas de problème. Voilà. Ok. Tout est bien qui finit bien quoi d'autre là. On n'est pas bien là, on est en famille, non? Voilà, c'est ça que j'aime et c'est pour ça que j'ai dit, je voulais qu'on fasse un briefing. C'est un lavage de cœur en fait. Hein? Et puis, voilà, c'est parti. Exactement. Voilà. Je te parle, il y a un souci.
d'accord, je t'écoute. Oh. Distance. Laisse-moi mes problèmes. Qu'y a-t-il? Si tu as tes problèmes, tu me mêles aussi dans tes problèmes. Je suis pas d'humeur. Qu'y a-t-il? Y a un souci? Tu sais combien de temps il s'attend là pour te voir? Tu as si ici et quoi me fait? Tu as une maison, n'est-ce pas? Et puis moi, il a beau faim. Bon, c'est étant assis là que tu vas manger. C'est étant assis là que tu vas manger. Laisse-moi fumer ma cigarette. C'est étant assis là que tu vas manger. Et la cigarette, c'est une nourriture. Tu sais combien de temps est ça de la pour flex? De grâce, hein. Je ne suis pas arrivée ici en route pour qu'on puisse se disputer. Je te cherchais depuis pour qu'on aille chez mon grand frère pour ce que je t'ai parlé. Grand frère. Toujours grand frère. Bien sûr, c'est mon toujours grand frère. Oui. Une héritière comme tu prétends. Grand frère. Il attend quoi pour te donner ton terrain? Je t'avais parlé dernièrement. Je vis chez toi et mes grands frères ne savent pas chez qui je vis. Ils ne t'ont jamais vu. Alors de grâce par amour pour moi, j'aimerais que tu puisses te lever pour qu'on aille chez mon grand frère. Si tu m'aimes sincèrement. Lève-moi un peu ton système là. Oui, même les 30 pièces que j'avais, voilà un périca qui chope ça au terre là-bas. Maintenant on va m'imba avec quoi? Les chops même n'y a pas loco. On go où? Tu veux m'amener où? Je demande. Tu dis il n'y a pas à manger. Mais le peu d'argent dont tu avais sur toi, tu as préféré aller jouer au jambon avec. Multiplier, bébé. Pour moi, tu as multiplié, c'est où? Donne-les-moi donc. En effet, hein, c'est pas ça mon problème. Mon problème est que tu te lèves de là et on y va. Et si c'est un problème de sous, j'en ai. Alors là, ne crée pas un motif. J'en ai. Donc tu te lèves et on s'en va. Baby, je t'ai dit avec ton grand frère. Je t'ai dit avec l'histoire de grand frère là. Dernièrement, tu es go là-bas, tu es comme avec quoi? Tu es comme avec quoi? Avec quel résultat? J'en ai ras de bol, gars. Écoute, hein, là, c'est pas mon problème. Lève-toi et on s'en va. C'est ça mon souci. Pour que mon grand frère puisse me donner ce que j'ai donc besoin. Lève-toi et on s'en va. La dernière fois, c'est pas toi qui m'as dit que ton grand frère m'a côté fumeur de chanvre. Hein? Et puis moi, je vais me présenter chez ce mec-là. La merde ou quoi? C'est pas ça le problème. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Alors lève-toi. Moi, je suis en train de te tolir. Faut pas qu'on riche là-bas, ton big landem. Je te dis, moi, je peux même pas voir qu'à la bouche ça là-bas. Soit il habite ou il habite, je sais pas. Moi, j'ai pas de sous sur moi. Tu te lèves ou tu te lèves? En tout cas, si il est riche là-bas, que ton big dame, c'est pas le caca qu'on josse, qu'on caca la beuh, je vais le fumer seulement. C'est pas, mais le caca, tu me noies pas, je vais le fumer comme le piment. Attends, fumer mon grand frère, tu dis c'est ça, tu pars pour lui ou bien tu pars pour moi? Mon grand frère devient ta cigarette alors? Il est devenu le double de ta cigarette, c'est ça? En tout cas, hein, je n'ai rien à y voir là. Mon problème, c'est que tu te lèves. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Tu te lèves. Je suis à Malta. D'accord, lève-toi. Pas de Malta. Mais je t'ai dit. C'est même dans tes études. C'est ça qui fera de toi, autant pour moi, une grande femme demain. C'est très important. Si tu as pu connaître ton père que je suis aujourd'hui et tu me vois assis là où je suis assis là aujourd'hui, c'est parce que j'y suis allé un peu. Alors, par expérience propre, crois-moi et ta maman, je te recommande des études, de persévérer dans tes études. Tu verras, ça fera de toi une grande femme. Une femme respectable, une femme autonome, indépendante. Tant que je vis. Sœur, ah, ça va, tout doucement. Hein. Toi, tu vas bien? Ok, merci. Ma chérie, donne la place à ta tata. Bonsoir, fille, c'est comment? Tu vas? Dis-moi la place à la coco.
Je te vois avec un jeune monsieur là, c'est qui? Oui, grand frère, je t'ai mis à accompagner. C'est ma fiancée, donc je t'avais pas. Ah, salut. Arruda. Bonsoir, monsieur. Yo, man. Wanda, tu me salades pas. Les gens t'ont mis bas. C'est comme ça qu'on salue les beaux frères et les beaux pères chez vous. En plus, vous fumez chez moi. C'est Montana, dit man. C'est Montana. Montana, c'est qui? Tu vas me connaître, Jésus. Bébé, s'il te plaît. Grand frère, je suis arrivé ici pour qu'on puisse en parler de ce que nous avons causé dernièrement. Je ne suis pas arrivé ici pour que vous puissiez vous disputer tous les deux. Et profiter de présenter aussi mon fiancé. C'est pas possible. J'ai dit à un petit soeur. Oui, grand frère. Qu'y a-t-il? Je te repose la question. Avec tout ce qu'il y a comme homme, à Yaoundé, c'est tout ce que tu as trouvé comme homme. La qualité, si, il va entrer où? Il va entrer chez qui? Qualité, qualité. Grand frère, c'est lui que j'ai choisi, c'est lui que j'aime. Grand frère, mais tu es sans ignorer que le cœur a ses raisons, que la raison l'ignore. Moi, je l'aime. Je l'aime sincèrement. En vrai? Mais attends, ma petite soeur. C'est toi qui as fait des grandes études. Hein? Grand frère, je sais. Je crois savoir quand même que le sentiment ne doit jamais primer sur la réalité. Le sentiment, c'est une chose. La réalité, c'en est une autre. C'est la qualité, si. Un spécimen comme ça, là, que je dois présenter à notre chef de famille, Rob, c'est lui. Rob. Je vais Robert. Présenter un spécimen comme ça, Rob. Robert. S'il te plaît. S'il te plaît, essaie de te calmer. Oh, bébé, arrête-moi aussi de voir. Arrêtez quoi? Tu manques le respect à mon grand frère, ça veut dire quoi? Il te donne le papier, c'est ça qu'on est venu. Où est ce respect là donc? Ce respect est où? Bouna, même tu as vu ça deux plats. Avec le dos du tchale, ma coco. Ah ça. Grand frère, c'est lui dont j'ai choisi. Impoli comme il est? Poli. Grand frère, tu sais. Il respectueux comme ça? S'il te plaît. Si? Dis-moi, il me manque du respect. Dis-moi, dis-moi, oh, c'est là. Comme ça. S'il te plaît, calme-toi. Tu vas en son mimba là. Je te jure, ça va ça. Tu vas en son mimba. Oh non. Assez, dis-moi, je te préviens que j'ai un bas pusté. Un bas plus quoi? Un bas pusté. C'est dans quel office? C'est, tu étais avec moi en Guaïkélé. C'est en Guaïkélé qu'on délivre les bars maintenant. Délivre les bars, on délivre les bars. Bassesse. Où est le tchara? Moi, je suis là pour le tchara. Voilà alors. Voilà alors ça. C'est Vanu Pied là, qui vient me manquer du respect chez moi. Le chitois, le chitois. C'est pas beaucoup de respect que je ne le chasse pas à coup de jupe. Chitois. Tu me dèmes, tu me dèmes, tu confirmes la rage. Tu dis ça à qui? Une minute, s'il vous plaît. Je vous rappelle. C'est ça? Oh là 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 là! Tu sais, la dernière fois, je t'ai promis d'arriver. C'est pas possible! Monsieur, levez-vous un peu voir. Levez-vous, je vous regarde bien. C'est que je suis mannequin. Je suis venu dans un défilé de mode. Levez-vous, levez-vous. Mais s'il te plaît. On ne manque pas le respect comme ça. Respect, c'est quand même mon grand frère. Respect. Faut pas que Krish Nanga le dit mal à Wanda. Par amour pour moi, respecte-le. Monsieur le président, dont il a besoin. T'as encore mes cloques là, non? Cause avec lui. Ouais, boy. À quoi dire? Okay. Tu as le képi, moi, j'ai le képi. Asseyez-vous. C'est Montana, dit man, c'est le général. Et tout ça. Grand frère. Aucun fond, aucune forme.
Je suis sûr que si ton père le voyait, il se retournerait au moins 3 fois dans la tombe. Là, ma Cherokee. Et grand frère, comment ça? Et moi, moi, Chris. Moi, Chris. Tu me vois en train de permettre une pareille, non? Mais ce que je ne t'aime pas, petite sœur, c'est ça là. Tu vois seulement. Comme ça? Que tu venais nous voir dernièrement, tu m'en voulais? Que je bloque ton patrimoine? Comme ça? Ouais, le boy alors en face. Qu'est-ce qui me prouve que demain, il ne va pas dilapider, vendre ton patrimoine et te botter le pied aux fesses? C'est Dimane. Dimane. Prends place. Je suis pas là pour les tolis. Prends place, s'il te plaît. Monsieur, on ne lève pas la voix chez moi. La seule personne qui lève la voix chez moi, c'est moi. De ce fait, si vous ne savez pas vous tenir, je vais vous mettre dehors. Grand frère, tu as affaire à moi et non à lui, s'il te plaît. Vous êtes encore assis là, par respect pour ma petite soeur. C'est moi, monsieur, je suis à Wanda tout à l'heure. Bébé. C'est man qui nous le roule là. Faut que tu me le tiens là, le beau statement. J'ai d'autres rêves là. Pour faire des selfies avec Angelina Jolie, me payer une Churoski. Plus rare de peur. Pour des costumes. Donne-nous le papier, gars. J'ai envie de vendre ce terrain. J'ai d'autres rêves, man. Faut que je go au state, man. Je dois amener ma meuf au Texas, combi. Faut qu'elle mette du Benghini. Qu'elle nage à Miami Beach. Comme le reste, man. Lolo. Ou ça, ou rien. Et je te pète la gueule, Mina. Ah bon? Wonderful. Avec le patrimoine de qui? Le mien? Patrimoine de Manga. Laissé man. Par mon père. Je suis son principal ayant droit, elle ne t'a pas dit. Bébé, je t'ai dit. Hein? Tu n'auras rien. S'il n'y a pas le papier, tu ne viens pas à la maison. Monsieur. Le papier, hein? Tu es en train de nous prouver que s'il tu vas n'y a pas le papier, tu ne viens pas à la maison. Tu restes chez ton grand frère. En tout cas, je suis ton quoi? Je suis pas un tchèle. Bac chez moi. Ça veut dire quoi? Tu m'en marques, non? La grosse. Bébé, ça veut dire quoi tout ça? Nous sommes arrivés ici ensemble, n'est-ce pas? Nous voilà. Sommes supposés rentrer ensemble. Je suis en train de boire la peur, c'est quelque chose. Pourquoi là? Pourquoi le capo là? Et surtout, n'oublie pas une chose, je vais jamais là, abandonner ça. Mes frères, ma famille pour un homme. Car je peux trouver un autre homme, mais pas une autre famille. Moi ça. Tu me suis là. Voilà, petite sœur. Voilà la qualité d'homme que tu viens me présenter. La qualité là que tu voudrais que je te donne ma bénédiction. Tu comprends pourquoi j'étais aussi hargneux vis-à-vis de toi la dernière fois. Comme ça, je dois apporter, je dois amener ce genre de personnage, ce genre d'individu. Un spécimen comme celui-là, chez notre grand frère, avec tout ce qui vient de se passer là, je crois que toi-même, tu vas lui expliquer ce qui vient de se passer. On est d'accord? Ok, lève-toi, on va. Je peux même pas dormir. C'est pas possible. Oui, qui va là? Hein? C'est moi, grand frère, c'est moi. Oh, mon petit frère. Ouais. Alors, comment tu vas? Ça va et toi? Oh, ça va, je suis là. Ça va. Ça va. Ok, va t'asseoir, hein. C'est toi. Oh là 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 là. Quel bon vent. C'est comme ça que j'aime donc vous voir. Vous comprenez? Comme ça que j'aime vous voir. Hein? Parce que je vivais ici la dernière fois. J'aime vous voir comme ça, main dans la main. Grand frère, petite soeur. Alors, quoi de neuf? Bon, ça va. Tout va bien, à part le fait que notre petite sœur qui s'y présente est venue chez moi tout à l'heure me présenter son homme. Alléluia! Alléluia! Oh, enfin! Je suis tellement fier de vous. Oh là là! Tu vois quoi? Je suis fier d'elle!
Hein? C'est la résolution qu'on a eu à prendre ici la dernière fois, non? Tu sais ce qu'elle a vécu tout à l'heure. Tu as vécu quoi? Dis-lui. Françoise. Toi-même, parle-lui. Dis-lui, non? Françoise, mais parle, non, je t'écoute. Il y a eu quoi? Oui. Comme j'avais promis à mon grand-père Chris que je devrais arriver avec mon homme. Oui. Nous sommes arrivés chez lui. Voilà. Mais malheureusement... Correction. Stop. Elle est venue chez moi. Oui. Avec un bandit de grand chemin. Pardon? Un chanvreux. Hein? Un fumeur de chanvre. Comment ça? Un fumeur de banga. Aïmou banga. Quoi? Zamba Beridou. Son homme est arrivé chez moi en fumant toutes sortes de joints que tu connais. Un chanvriste chez toi? Ouais. Et ce dernier m'a insulté copieusement. Quoi? Ton homme a fait quoi? Mon homme lui a totalement manqué le respect. Manqué de respect à Chris, mon petit frère? Françoise! Françoise! Là voilà! Quand? Je ne fais pas le Congo ça. C'est faux. Est-ce que c'est faux? Non, quand même. Réponds bien, tu as la... ça est dans la porte. Donc c'est vrai? Réponds bien! Ton nom se drogue? Dis-leur. Françoise! Ton nom se drogue? Là voilà. Hein? Grand frère, c'est le cœur. C'est quoi? Le cœur. Le cœur, hein? Ah, c'est ton cœur qui te fait rester avec lui. Parce que tu l'aimes trop. C'est ça? Tu aimes quoi sur lui? Le chanvre, le tas. C'est la fumée là que tu aimes sur lui? Dis-moi! C'est la fumée? C'est vrai ce qu'on dit. Hein. C'est vrai ce qu'on dit, mon petit frère. Qui dort avec les démangeaisons dans l'anus, s'est réveillé avec les doigts qui puent. Franchement, ça voudrait dire, durant toutes ces années, que tu as passé là à vivre avec ce bouillafier, ce flibustier. N'est-ce pas? C'est la vie que vous meniez? Hein? Tu fumes? Non, grand frère. Tu te drogues? Non plus. Et tu fais quoi avec un drogué? Bientôt, tu ne seras que l'ombre de toi-même. Mais puisque c'est une végétarienne, elle est son nom. Tu vois? Ce sont des végétariens. Donc, ça veut dire que toi-même, tu te drogues déjà aussi? Et mange le ndama, ndama, et mange le coq à longueur de journée. Tu t'attends à quoi? Attends un peu. Et c'est si je comprends bien, ça veut dire que la dernière fois que tu étais ici, c'est cet énergumène qui t'a envoyé. Hein? Bien sûr! Ça dit que c'est lui qui t'a envoyé ici. Dis-lui ce qu'il m'a dit. Il a osé. Dis quoi? Osé en me regardant droit dans les yeux. Il a dit quoi, Françoise? Revendiquer l'héritage. Dis-lui! Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Christ qui a parlé. Quand il a dit s'il n'y a pas les papiers, que je retourne plus chez lui. Que je reste ici. Et. Dès que j'ai les papiers, il va vendre le terrain. Hein? Il va voyager pour aller faire. Les selfies avec les stars. Hey! Zamba Beridou. Il va voyager, aller faire les selfies avec les stars. N'est-ce pas? Et toi dans tout ça? Que fera-t-il de toi? Hein? Aucune idée, grand frère. Aucune idée? Mais tu l'aimes. C'est ça, non? Tu me parles du cœur. Je l'aime, grand frère. C'est le cœur. Je l'aime. C'est ça, non? C'est ça, non? Arrête de le regarder comme ça. C'est ton aîné. Hein? Et toi, tu es là à parler de... Eh, s'il te plaît, t'as traité de Robette. Il a fait quoi? Quand j'ai dit que c'est la qualité d'homme que je devais présenter à mon grand frère, qui est resté notre père ici dans la famille, notre oui. grand frère, notre aîné, il t'a traité de Robette. Robette, pourquoi? Robette. Car si j'ai dit, c'est l'homme que je dois présenter à Rob. Ah. Il dit Robette. Robette. Oui. Non. Hein? Dis-moi, c'est le cœur qui fait quoi? Je ne comprends pas. Il s'en va jusqu'à insulter Chris chez lui, mon petit frère. Donc plus jamais tu ne sortiras de cette maison. Comme tu es arrivé là. Tes habits qui sont restés là-bas, tu vas me donner le numéro de téléphone. Je te parle, tu me regardes. Tu vas le regarder ainsi. Tes habits qui sont restés là-bas,
Tu vas me passer son numéro de téléphone. J'irai les récupérer. J'irai les prendre. Et si jamais tu tentes de sortir de cette maison pour prétendre retourner chez lui, tu seras déshérité. Je suis le chef de cette famille. Et je te dis, nous allons te déshériter. Tu n'auras plus rien. Tu comprends ça comme ça? Parce que nous ne pouvons pas accepter que du n'importe quoi, un n'importe quoi, qui fait du n'importe quoi, vienne dans notre famille et pense se moquer de nous. Tu as compris ce que le grand frère Rob a dit? J'ai compris. Mais parle fort, non? J'ai compris. Mais je dis, hein, Françoise, c'est quelle façon même que tu as souvent là de répondre à ton aîné? Hein? Ou bien parce que vous avez juste un écart de quelques mois là, tu lui parles souvent comme si c'était ton égal? Hein? Pas de mépris ici, hein, devant moi, surtout. Mais ça, il ressemble à son taman. Mais c'est qui ça même? Je ressemble à ton taman. On parle de Babylone, Babylone, Babylone. Babylone, c'est quoi? Je dis, Babylone, grand frère, Babylone là même veut dire quoi? Mais c'est lui-même qui appartient à Babylone. C'est... Babylone la grande, Babylone la grande, mais c'est la... Shot by Mr. Boakai Solomon.